Radio Liberté Kinshasa, vous nous suivez sur la 96.8 MHz, toutes nos excuses hein, pour ce grand retard avec lequel nous commençons cette émission, puisque le troisième numéro de la semaine revient sur l'actualité, l'évasion de deux présumés assassins, des experts de l'ONU, le général auditeur de Fardé Mokuta, mais donc 1 000 $ pour celui qui va retrouver ces deux assassins. Autre actualité ce matin, toujours dans le domaine judiciaire, c'est Némoin d'Ancien qui est réclamé par le gouvernement de la République. Le vice-premier à l'intérim, Basile Longo, demande donc que le gourou de Bundu Diama Ayala soit retourné au CPRK, lui qui faisait partie des évadés lors de la dernière évasion, excusez-moi, un peu c'est pléonasme, de la prison centrale de Makala il y a exactement une année et demie. Autre sujet d'actualité, c'est cette série de remises et reprises au niveau des exécutifs provinciaux. À Kinshasa particulièrement, Jean-Tiny Ngobila a pris le pouvoir et a pris les rênes du pouvoir à Kinshasa hier. Remise et reprise avec le vice-gouverneur ad intérim Clément Bafiba. On va parler également de cette mise en accusation du patron de l'économie, finance, l'ancien patron d'ailleurs de la ville de Kinshasa, Guy Matondo. La plénière d'hier a pris acte et a donc écrit au gouverneur de la ville, le nouveau gouverneur, pour la mise en accusation du ministre Guy Matondo pour cause de plusieurs faits et qui lui sont reprochés. Autre sujet d'actualité, c'est les 100 premiers jours du président de la République. Les gens restent donc partagés, les avis restent partagés avec l'évaluation qui dit une réussite, qui d'autre dit pas une réussite. On va tenter d'en parler dans cette émission, Jérôme Sekana, pour ce troisième numéro. Bonjour et bienvenue Jérôme. Bonjour. Les vrais débats aussi, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est vrai qu'on va parler l'opposition, la société civile qui parle du dépassement budgétaire au niveau de la présence de la République, mais j'ai comme l'impression que les vrais débats aussi, c'est la répartition de nos richesses, hein. Comment est-ce que le budget est pris en charge par les grandes institutions de la République et que les petits peuples ne s'y retrouvent pas? Oui, vous savez, l'intersyndicale avait dit ça le 1er mai. Il y a un déséquilibre terrible, une injustice sociale. Le gros de notre budget est consommé à près de 80%. Je dis bien près de 80%, rien que pour le fonctionnement des institutions. Et donc, c'est un déséquilibre qu'il faut rapidement corriger. Il y a des solutions à court, moyen et long terme à ces sujets. On va en parler. On va parler de ces conditions à court, moyen et à long terme. Et Laurent Nyemba Djongade qui est pour notre troisième numéro de la semaine. Clin d'œil à Michel hein, qui était là le lundi et le mardi. Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Amessage Kabongo. 3 mois et demi, presque 4 mois, on n'a toujours pas les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ça c'est le premier dossier sur les députés nationaux. Deuxième dossier au niveau des TRICOM, c'est que les tribunaux de commerce, les juges consulaires sont tous en grève et les affaires ne marchent pas. Bon, écoutez, j'ai toujours dit que à partir du moment où les forces en présence au niveau de du Parlement, en termes de responsabilisation des bureaux, n'ont pas dit leur dernier mot, la Cour constitutionnelle était une Cour aussi politique, sûrement, que les arrangements politiques vont devoir se traduire aussi au travers les arrêts de la Cour constitutionnelle, ce qui est regrettable parce que la Cour ne pouvait se résumer qu'à dire les droits. Et donc, à partir du moment où on n'a pas encore fini avec la responsabilisation ou bien l'élection des bureaux du Sénat, bref, de l'ensemble de l'Assemblée nationale du Parlement, eh bien, c'est la transpiration politique qui atteint jusqu'à la Cour. Mais la Cour a oublié que la loi lui a imparti un délai. Et donc, en droit, il se pose des questions, et même il y a des questionnements les plus importants de savoir quelle est la nature juridique d'un arrêt qui est rendu hors délai. Est-ce que demain, ça ne va pas ouvrir une boîte à Pandore, même si on devait calculer le délai comme on peut bien le vouloir aujourd'hui? Écoutez, Serge Kabongo, la Cour est en dehors du délai et nous nous posons la question sur la valeur juridique. Mais qu'est-ce qui peut justifier ces dépassements du délai? On apprend qu'il faut peut-être les monnayages des arrêts, tel doit être déboulonné, tel doit récupérer. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le monnayage des arrêts. Écoutez, à Kinshasa, il ne faut pas vous fier à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Moi, je vous donne une blague. J'ai dit à un ami, il dit, si vous voulez vous anéantir intellectuellement, considérez ce qui est sur les réseaux sociaux comme une vérité. Quelqu'un dit que c'est un phénomène d'imbécilisation collective, ce qui est sur les réseaux sociaux. Je pense à Jean Goubal qui l'a dit. Et donc, le problème n'est pas un problème de corruption de ceci. Je suis rassuré que
parce que nous sommes dans un schéma des accords politiques, accords obscurs, on est en train d'identifier. C'est même ça le retard qu'on voit dans la nomination du Premier ministre. On suppose que le partage n'est pas encore complètement fini et qu'on attend qu'on finisse au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que là, c'est beaucoup plus classique. Si vous avez échappé, on va devoir se résumer au niveau des accords. Allez, au niveau les Tricoms, ah oui, je vais vous donner la parole. De commerce. Les Tricoms, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont un pays, les juges consulaires. J'ai dit, écoutez, quitte à l'honneur, je vais citer quelqu'un, Alexis Tambemamba. Serge Kabongo, à un moment donné, nous avons besoin de gens qui lèvent les options. Je vous surprends. Est-ce que tu sais que l'enveloppe salariale des magistrats, ok, 30% était réservée au paiement des magistrats et 70%, soit 70% était réservé aux frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il a fallu que Tambemamba, Alexis, vienne pour dire à Kitoko qu'on ne peut pas comprendre que les magistrats soient payés avec une enveloppe salariale de 30% sur le 100% qu'on vous donne. Et pour ça, il y a eu toute une guerre parce que derrière Kitoko, il y a eu tous ceux qui se retrouvent dans la marmite. Et tout à l'honneur de Tambwe, aujourd'hui les magistrats, quelle que soit la dévaluation de la monnaie, mais les magistrats ont quelque chose de consistant. Et donc, si aussi les juges consulaires ne sont pas payés, ça relève toujours de la mauvaise gestion. Est-ce que ça ne bloque pas les affaires? Parce qu'on dit que maintenant, il faut le climat des affaires, améliorer, il faudrait que les investisseurs viennent. Comment est-ce que les juges consulaires, aujourd'hui, 10 ans impayés, et comment les chefs de juridiction commencent même à aller piocher les juges consulaires qui ont démissionné pour traiter des dossiers? Ça met même le climat des affaires en insécurité. Attends, je pose la question sur la nature juridique. Parce que moi, je suis juriste, je suis légaliste, je suis avocat. La nature juridique, ok, d'une décision qui est rendue par un juge consulaire qu'on a rappelé qu'il n'en a plus qualité. Ça ouvre encore des boîtes à Pandore. On est au Congo dans une spécialisation de fabrication, okay, des monstres juridiques. Et donc, nous disons ceci. Vous pouvez imaginer qu'on paye un certain lot de magistrats et que les autres ne sont pas payés. Autant qu'aujourd'hui, vous entendez des bruits qu'on a rappelé tous les chefs de juridiction pour leur offrir des motos et des véhicules du Conseil de la magistrature pour justifier le fait que l'argent qu'on donne pour le fonctionnement était toujours affecté. Non, je vous dis tout de suite non. C'est depuis des années que les magistrats qui sont de l'intérieur n'ont plus jamais reçu de frais de fonctionnement. Certains ont même démissionné. La preuve, c'est que si tu vas chez toi à Libengue, si tu vas à Mbandaka, les juridictions ne sont pas régulièrement composées. On ne vient comme ceci des juridictions administratives pour trancher des choses comme si c'était en droit coutumier où on appelle Jérôme Sekana et Laurent Onyemba. Non, Jérôme c'est ton grand frère, Laurent c'est ton petit frère. Trouver un arrangement, ce n'est plus le droit qui est dit. Merci beaucoup. En réalité, l'État pour soubassement que la loi. Sinon que nous voulons un état de droit. L'état de droit passe par la justice. Et s'il n'y a pas de justice, alors on fait le sous-place. Quitte à l'honneur de Félix, parce que nous parlerons 100 jours, d'ouvrir l'œil et le bon de dire tous les animateurs du mauvais régime, tous ceux qui ont arrêté la justice. Le Congo ici, un dossier de Vodacom, Orange, excusez-moi, sans faire la publicité, de Tigo ou de Bralima, de ceci, BCDC. Le jour où le juge a cette affaire dans sa chambre, je te jure qu'il commence à boire à Kempinski. Parce qu'il y a la corruption. Vous pouvez plaider une affaire, vous qui êtes avocat, vous apprenez que le juge a vu votre client sans vous appeler. Merci donc, beaucoup, à un moment donné, nous allons le dénoncer, quitte à ce que le chef d'État soit au courant de ce qui s'est fait. Et donc, c'est regrettable dans ce pays. Merci, Laurent Onyemba, pour ce ministre. Oui, Jérôme Sekana. Oui, écoute, moi, je voulais placer un mot en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Je n'aime pas me prononcer sur les dossiers des juges consulaires qui ont passé 10 ans sans être payé parce que je n'ai pas d'éléments. Je m'incline sur la maîtrise du dossier par Laurent Onyemba. Mais moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que la Cour constitutionnelle, nous savons qu'ils ne sont qu'à 9, les juges qui sont là-bas, et qu'il y a beaucoup de dossiers, mais ils sont quand même hors délai. Donc, on ne peut pas accepter de traîner les choses en longueur. Jusqu'à quand? Parce que déjà, nous avons un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Et on attend que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc les arrêts, parce qu'il y en aura beaucoup, de la Cour constitutionnelle, pour donner la liste définitive des députés au niveau, même au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que ceux-là qui ont plaidé, qui se sont plaints devant la Cour constitutionnelle avec de preuves, j'en connais, avec de preuves tangibles, si la Cour doit se référer à des arrangements politiques entre partis politiques ou plateformes politiques pour dire que non, bon voilà, on s'arrange. Non, moi je pense que le droit
doit être dit. Donc plus et ça traîne, plus qu'il y a oui, des présomptions. Oui, c'est cette suspicion-là qui va faire perdre à la Cour constitutionnelle le capital confiance dont elle jouit vis-à-vis de nous, les citoyens. Donc nous osons croire que les responsables au niveau de la Cour constitutionnelle doivent faire très attention. Même si, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'y aura plus de recours. C'est les derniers essors. Donc, je pense que la population gardera des mauvais souvenirs si et seulement si la Cour constitutionnelle fait un mauvais jugement, rend un mauvais jugement, permet par exemple à un député qui n'a pas été élu de siéger au Parlement et de prendre celui qui a été élu, de dire que non, vous ne pouvez pas. Aller au Parlement. Il faut que la Cour constitutionnelle évite ça. Merci beaucoup. Et en tout cas, la Cour doit éviter ça parce que n'oubliez pas que le dernier mot revient au peuple. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Allez, très mauvaise nouvelle ce matin, Jérôme. Je commence par vous. L'évasion de deux experts de l'ONU à la prison au Kasaï. Très mauvaise nouvelle. Hein. Il y avait déjà des suspicions comme quoi Kinshasa n'avait pas une volonté pour que la justice soit faite sur ce double assassinat. Mais aujourd'hui, qu'il y a encore une triste nouvelle, on vous apprend que deux experts viennent donc de s'évader. Et je pense que ça va encore davantage contribuer à tout ce que les gens disaient. C'est peut-être une manière de faire des trucs patrouillages pour que la vérité ne soit pas éclatée. Hein. Oui, ce ne sont pas des experts qui se sont évadés, c'est plutôt les deux présumés assassins. Voilà. Et je me dis que c'est une grosse épine au pied du gouvernement. Vous savez, les Américains risque de nous faire payer très cher la mort de leurs concitoyens. Ce n'est pas comme ici chez nous, où quand un Congolais meurt, on attend, par exemple, les gens en train de boire à Matongé, le gouvernement ne se prononce pas. Pour les Américains, un citoyen américain, vous l'assassinez tel que les choses se sont passées au Kasaï, eh bien, tôt ou tard, vous payerez. Et moi, ça me dérange, d'autant plus que, même si le président du tribunal là-bas dit qu'il met $1,000. Est-ce que vous pensez que les gens vont... Ce n'est pas tellement alléchant pour que les gens puissent dénoncer. D'abord, nos prisons là sont des mouroirs. Comment une prison qui doit abriter 150, vous en trouvez 150 prévenus ou 200, vous en trouvez 800. Vous voulez que ces gens-là vivent comment? Dans quelles conditions? Ce sont des êtres humains comme nous. Être prisonnier, cela ne veut pas dire qu'on devient esclave. C'est pas une évasion en plus, organisée non plus. Attends. En plus, ils savaient très bien que ces prévenus-là sont très très chers pour le pays. Parce que le pays doit montrer que il les a jugés de la manière la plus professionnelle possible pour la famille des deux défunts, de ceux qui étaient assassinés. Mais on ne peut pas les mettre avec n'importe qui. Ces prévenus-là devraient peut-être être exfiltrés et placés dans d'autres prisons beaucoup plus sécurisées. La faute est incombe aussi et au juge hein, de ces tribunaux-là. Mais également aux responsables de la prison. Vous voulez que les juges prennent ces présumés assassins les mettent dans leur maison privée? Non, pas dans leur maison privée. Alors, moi, mon problème est le suivant. Étant entendu que l'enjeu sur ce dossier est de taille, on ne devrait pas, même aux États-Unis, même en France, même ici, on est en train d'envoyer les gens à l'Ozoumou. Pourquoi? Lorsque vous savez que vous avez des prévenus pour un dossier international comme celui-là, vous ne devez pas les garder avec les autres. Vous devez les mettre dans des conditions où la sécurité est assurée. Ça aussi, on doit le comprendre. Et s'il y a encore d'autres prévenus dans d'autres prisons où ce n'est pas sécurisé, c'est le moment de les faire, de les encadrer. Je ne suis pas peut-être d'accord avec vous. Moi, vous parlez, c'est comme s'il y avait une volonté de disparaître les traces. Non, parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas suivi les Américains. Pour les Américains, c'est une fausse évasion. Vous comprenez ça? Et là, ce n'est plus le président du tribunal. C'est le pays qui est vu. Vous comprenez? Même si le problème était que nous puissions approuver que ceux qui ont tué
les assassins, on les a effectivement arrêtés et ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis conformément à la loi. Mais si les présumés ne sont pas punis par la loi, mais on va imputer ça au gouvernement. Et c'est ça le discours des Américains. Et là même, la CPI. Vous comprenez, c'est ça le discours des Américains. Ils vont dire non, voilà, comme on disait que ce sont les autorités de la République démocratique du Congo qui ont boutiqué cet assassinat. Voilà pourquoi, comme on est en train de suivre ce dossier de très près, ils ont fait évader les prévenus. Hein, comme ça, ils vont dire que non, il y a eu évasion. Et là, non, ce problème ne sera pas classé. Si nous les classons en République démocratique du Congo, il ne sera pas classé au niveau international. C'est une grosse épine qui va nous causer trop de malheurs. Donc, il y a les autorités au niveau du Kananga ont intérêt à retrouver coûte que coûte. Même s'il faut donner 5 000 $ aux gens qui peuvent donner des informations, il faut récupérer ces gens-là et il faut que le droit soit dit. Laurent Mbemba, vous avez suivi un peu le péripétie hein, de ce procès qui va des rebondissements en rebondissements. Des noms de grandes personnalités ont été cités hein, et même certains responsables congolais de haut rang ont été sanctionnés par les Américains, notamment par rapport à cette question de Kamena Sapou. Maintenant on assiste à cette évasion spectaculaire. Pensez qu'il fallait un peu faire disparaître les traces. Bon, écoutez, un peu comme à la suite des États-Unis au Nibas, je suis d'accord, jusqu'à preuve du contraire de ma modeste analyse, que c'est une évasion qui sent l'odeur d'une évasion organisée. Pourquoi je le dis ainsi? Mais j'ouvre une parenthèse pour ne pas l'oublier. Ce n'est pas le juge qui a la mission de garder. Le juge ouvre l'audience, ok? On le présente le prévenu, ou on ne le présente pas. À partir du moment où la juridiction est saisie, le juge va s'exprimer. Que tu sois présent ou absent, le juge est tenu à dire le droit. Ok? Et donc, quand le juge lève la séance, les prévenus sont à charge du parquet. Le parquet. C'est le parquet qui s'en occupe. Le ministère public, voilà. Et quand le parquet s'en occupe, le parquet dépose le prisonnier au lieu où le prisonnier doit rester à la disposition de la justice. Il est prévenu. Et pour des crimes aussi importants, je ne pense pas qu'on devait les garder dans ces conditions-là. Il aurait fallu des conditions les plus coercitives possibles pour permettre à ce que ces gens ne se soustraient pas. Okay? Et un prévenu... interne en prévoit, quand il s'agit, quelle que soit la nature de ceux qui sont morts, le droit interne prévoit que quiconque pose un tel acte peut être jugé. Mais cet assassinat a des corollaires avec les phénomènes Kamena Sapou qui peut être considéré comme des crimes graves. De cet embryon, le phénomène Kamena Sapou en soi est déjà en fait pas pris en charge. Il n'y a pas des Américains et il n'y a pas Kamena Sapou, c'est un dossier. Je dis ceci, parce que nous parlons de l'évasion de les présumés assassins, des deux experts, jusqu'à ce moment-là, la CPI ne s'invite pas. Mais si nous faisons allusion, pas que déjà, même si on ne fait pas allusion, la question de Kamena Sapou est déjà prise en charge. C'est des crimes de masse. Il y a génocide, il y a crime contre l'humanité. On a énervé la conscience, je voulais dire la conscience mondiale, quand on a vu des gens enterrés, amputés, vivants. C'est comme ça que je vous donne les explications. Maintenant, dans la généralité, le dossier est toujours opaque. On a géré le dossier Clément Kankou. Vous connaissez toute la physionomie que le dossier a eu quand Clément Kankou décide de quitter le pays. J'ai appris qu'il y aurait une audition et que le dossier serait classé. Autant que jusqu'à aujourd'hui, autant de gens sont morts au Kasaï, on n'a pas réussi à donner les débuts de la preuve de l'autorité de la personne, l'autorité morale de ces crimes. C'est malheureux.
Et regarde pourquoi la CPI s'invite sur des cas comme ça. Si vous faites un semblant de justice, si vous faites une justice de parodie, vous tombez dans la jurisprudence de Jean-Pierre Bemba. À Bangui, Jean-Pierre Bemba avait effectivement fait un procès. Et les gens ont fait la prison. Il a installé la cour martiale, hein, oui, avec le général Boulay. À partir du moment où la juridiction internationale a estimé que les procès n'ont pas été revêtus du caractère, je veux dire, juste et équitable, Jean-Pierre Bemba est parti, quoi que ce soit. Et c'est que vous connaissez mon opinion. Vous connaissez mon opinion sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Non, ce sont des faits. On l'a gardé 10 ans injustement. Ce sont des faits. On l'a présenté une panoplie d'infractions. La même question. Plus tard, Bemba est acquitté parce que la cour est. La même question à vous, Oui. Est-ce que organiser, je ne le confirme pas, mais mettons cette organisation entre guillemets, organiser l'évasion des prisonniers pour brouiller les pistes, est-ce que ça met en sécurité, est-ce que ça sécurise les présumés commanditaires qui se recruteraient du côté de la politique? Non, mais écoutez, j'ai dit ceci. Aussi le temps que ça prendra, tout le monde, toute la conscience universelle, pas que je veux dire que ces infractions ont énervé la conscience universelle, toutes ces vérités sont connues. Si vous demandez aux gens de dire le nom des gens qui ont posé ces actes, ils le diront. Mais les gens ne peuvent pas le dire pour éviter d'entamer leurs propres responsabilités. Les gens veulent que ça prenne la couverture de la justice. Mais aussi longtemps que ça prendra, nous finirons par remonter jusqu'à l'autorité morale, au commanditaire de cet acte. On ne peut pas laisser ça impuni. Mais la question, elle est globalisante, elle est générale. Quand je vous dis justice, on commence à se poser la question, pourquoi cet acte s'est posé ? On nous a embrouillés ici avec les orientations politiciennes en voulant faire allusion à telle autorité, à telle autre. On connaît plus ou moins qui pouvait en être bénéficiaire. Je vais revenir en droit pénal, on pose la question pour terminer. Les crimes profitent à qui? À qui? Cette évasion profite à qui? Merci. Merci, vous, Laurent. Mais je vais revenir à vous. On parle de Kamona Sapou. On en a aussi entendu parler ici. Il y a un procès ici, à Kinshasa. Il y a eu des jugements qui ont été rendus. Kamona Sapou, l'attaque de nos différents amigos et prisons ici à Makala. On apprend maintenant la réapparition de, comment il s'appelle, Zachary Badiengila Dimwandansemi. Lui aussi, c'est un ancien évadé, un peu comme Gédéon Kyungu. Oui, vous savez, moi je n'aime pas me mêler des histoires de la justice. Si la justice est rendue au nom du peuple congolais, tout le monde sera à l'aise. C'est lorsqu'il y a de mauvais jugements, c'est qui crée de frustration, de l'injustice, que tout le monde maintenant s'occupe de la justice. Vous savez, tout à l'heure, Onyemba parlait de l'autorité morale. Il y a aussi, lui il est mieux informé que moi dans ce domaine, les commanditaires de tels assassinats, ce sont des auteurs intellectuels de tels faits graves. Et ils ont intérêt, c'est comme dans des films. Il y a un petit contrat qui est signé, ça peut être verbal, entre les assassins et les commanditaires qui en tirent bénéfice. Parce que là, vous avez dit les crimes, à qui profitent les crimes. Eh bien, ils se disent toujours que allez-y, faites ça, je veux vous protéger. Et parmi la protection qu'offrent les auteurs intellectuels, c'est la libération. L'organisation d'une évasion. Voilà, c'est la libération, même si on vous arrête, en tout cas vous finirez par sortir. Merci beaucoup. Donc nous devons faire très attention. Alors abordons cette question. Nous devons faire très attention. Quand nous voyons des évasions dans nos pays, quelqu'un peut s'évader, après 2 ans, il revient en homme libre. Non. Je prends l'exemple de Gédéon Kyungu. Aujourd'hui, il a été jugé, condamné pour des crimes imprescriptible, oui. Crime de guerre, crime de génocide. Maintenant, il a coule douce, il est là. Voilà pourquoi. Le cas de Kamona, comment il s'appelle, Nemwandasemi est là, Basile Olongo, les cherche. Ça devient une jurisprudence. Ouais. Voilà pourquoi je disais, et Onyemba peut-être va nous éclairer, si on a permis à Gédéon Kyungu, qui s'est évadé de manière spectaculaire, au grand jour, à 12 heures des prisons, la prison de Kasapa, à 2 reprises, et qu'on est allé les chercher, l'amener triomphalement jusqu'à Lubumbashi, avec tous les honneurs et tout ça, et on l'a pardonné. Mais on doit faire la même chose pour Nemwandasemi. Vous savez, Nemwandasemi n'était si même pas. Écoutez, vous ne faites pas l'apologie des crimes. Non, voilà. Je ne fais pas l'apologie. C'est comme vous appelez en justice la comment est-ce que vous appelez ça, la jurisprudence. Je l'ai dit pourquoi? Parce que jusque-là, moi, je considère que Nemwandasemi n'était pas jugé. Oui.
Nemandansemi était en résidence surveillée. Il était en résidence surveillée, mais comme sa fuite était à craindre avec tout ce qu'il y a eu, on l'a pris, on l'a placé en prison. Il n'y avait pas encore une décision de justice. On n'avait même pas levé ses immunités à l'époque. Le juge s'était prononcé pour dire que je vous condamne à autant d'années. Or, si c'était le cas, je pense qu'en tant qu'un homme politique, peut-être il pourrait figurer aussi sur la liste des bénéficiaires de la grâce présidentielle. Ce qui n'a pas été le cas. Donc le dossier, seule la justice... Mais Basile Olongo ne veut pas attendre de... Non, Basile Olongo doit se référer à ce qui s'est passé. Il doit laisser la justice faire le travail. Il ne faut pas qu'il y ait la politique de deux poids, deux mesures. Si Gédéon Kyungu a bénéficié d'une certaine jurisprudence, Gédéon Kyungu n'est pas autant congolais que... plus congolais que Nemandansemi. Donc, il faut que la justice nous dise, devant des cas de figure comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai entendu Nemandansemi. Nemandansemi est venu, il a dit, je viens pour consolider la paix. Je vais travailler avec la gauche et la droite pour reconstruire le pays. N'oublions pas que c'est un leader d'opinion. Et qui a pignon sur rue. Mais je ne veux pas ici me faire l'avocat du diable, mais qui a aussi le sang entre les mains. Donc, il ne nous appartient pas, nous, des citoyens simples, de porter des jugements sur des cas aussi délicats. Comme il y a eu jurisprudence avec Gédéon Kyungu, qu'on prenne aussi les cas de Nemandansemi, que la justice tranche une fois pour toutes. Laurent Onyemba, Olongo veut la tête de Zakari Badiengila. Mais Olongo nous laisse des policiers à la Fikine, là. Ça va créer des problèmes. Il y a plus de 9 stands occupés par des policiers. Serge. Ils n'ont même pas de casernes. Donne-moi 2 minutes. Je vous en donne 3. Parce que nous parlons de la justice. Vous avez oublié le dossier de Sankourou. Parce que, au Sankourou, il y a eu une réunion hier avec le chef de l'État et la notabilité. Même si je conteste une certaine notabilité, ça ne suffit pas d'être proclamé élu pour être notable. La notabilité. Si, si vous avez la calvitie. Non, ou bien porter un chapeau d'un chef coutumier. Le chef de l'État blanc devait se référer à plus. Il y a plusieurs notables qui valent, qui représentent mieux que ces pseudo. C'est un pseudo-élu. Je connais quand on parle de Chokitundu, quand on parle de Lutundula, quand on parle ou de Jean-Charles Okoto et des autres. Il y a vraiment de la notabilité. Mais tout le monde n'est pas notable. Ça ne suffit pas d'être élu pour se réclamer. Là n'est pas le problème. Maintenant, la question s'est posée sur l'affaire de Sankourou. Pas qu'on parle de justice. Je vais revenir sur la question de Nemandansemi. Écoutez, la conclusion qui s'est passée hier devant Fatih, c'est que l'honorable Christophe Lutundula rappelle l'article 155 alinéa 2 de la Constitution. Chokitundu rappelle les dispositions internationales relatives aux droits de recours. Lutundula accompagne la réflexion par l'article 86 de la loi portant, je crois, la loi relevant de la libre, la loi relevant des juridictions administratives, qui donne la possibilité justement à quiconque lésé d'avoir le droit de recours. La conclusion, c'est qu'au Sankourou, il y aura élection. Mais parce que nous estimons au Sankourou, nous jeunes, nous devons nous lever à un moment donné pour dire que quand il y a, comme Salomon Tutu l'a dit, vous connaissez la phrase, il ne faut pas toujours prendre la part de l'oppresseur. Il y a des silences qui veulent que vous puissiez prendre la part de l'oppresseur. Onyemba, je pense qu'aujourd'hui, je soutiens officiellement Mukumadi parce que on ne peut pas concevoir une élection sans qu'il y ait deux voix. Nous parlons du cas de Basile Olongo. Basile Olongo n'en veut pas, je veux être légaliste. Je connais la grandeur de Nemandansemi. C'est un leader d'opinion. Mais aller en prison est une chose. Les circonstances dans lesquelles il a été arrêté sont une autre. Mais quitter la prison est aussi une infraction si vous n'en avez pas été autorisé. L'évasion est une infraction en droit pénal. Et donc, même au départ, même si au départ il avait raison, le fait d'avoir quitté la prison dans ce mécanisme-là, ou par ce mécanisme-là, il a énervé la disposition pénale. Alors, question et technique. Donc, Basile Olongo, attendez, question très importante. Attendez, non, oui. C'est là où c'est important que je vais vous arrêter. Oui. Très technique. Oui. Alors, quitter la prison par évasion, c'est une infraction. C'est une infraction. Est-ce que c'est Olongo Basile qui est l'autorité et qui prend en charge cette question, ou bien c'est la justice, c'est le parquet qui voit un évadé et le parquet saute sur l'évadé. Voilà, je le récupère. Je dis ceci. Oui. Olongo est le patron de la sécurité. Oui. Intérieur. Intérieur. OK. Et de ce fait, il n'est pas juge. Nous ne connaissons pas. Juge, non, le juge ne dit pas non plus qu'il faut le ramener en prison. Le juge, quand il a condamné en droit, il oublie. Ce n'est pas son affaire. C'est lui qui est chargé de l'exécution de la peine.
c'est le parquet. Ok, oui. Même si chez nous, il y a une jurisprudence, c'est l'auditorat. Mais pas il était Congo, entre les mains du parquet. Il était entre les mains du parquet. S'il vous plaît, Serge. Oui. Vous voulez bien comprendre ce que je veux dire. Il faut savoir dans quelles circonstances Basile Longo a dit ça. Parce que les journalistes peuvent l'avoir, ok, rencontré sur un couloir de son bureau. Et comme le patron de l'intérieur et de la sécurité, il a dit quoi? Quelqu'un il n'a pas à dire de n'importe quoi. Lui pose la question, non. Il dit que c'est un dossier judiciaire, il revient au parquet. Non. Mettons-nous d'accord. Oui. Soit vous avez vos réponses, alors vous ne voulez pas que... Alors, ne pensez pas que vos réponses sont des meilleures. Non, mais alors, pas que c'est vous qui posez la question. Oui. C'est vous qui posez la question. Ce ne sont pas des versets bibliques. Non, je n'ai pas dit que mes réponses sont des versets bibliques. Je dis ceci, pas que c'est vous qui posez la question. Vous ne pouvez pas vous transformer à celui qui répond aux questions. Non, ce qui est vrai, mais nous échangeons. Maintenant, parce que vous me posez la question, voici ma réponse. Et vous êtes le champ et la libre de refuser ma réponse. Basile Longo, comme le patron de l'intérieur de la sécurité, peut avoir été contacté par une rédaction et estime pour lui, comme le patron de la sécurité, que quiconque a été dans une procédure judiciaire par le parquet, a été en prison en détention préventive et qui s'est soustrait de la prison par le mécanisme que nous connaissons, disent par exemple, tout Congolais réfléchi dirait la même chose, qu'il rentre en prison, quitte au sein de ça, ou bien Afrique Tshisekedi, d'organiser le mécanisme de sortir. Et c'est comme ça que ça peut être durable. S'il est libre maintenant, oui. Ok, dans le futur, n'importe quel magistrat qui mettrait la main sur lui, et même Congolais lambda, comme la loi le dit, quiconque aurait une disposition pénale, la loi le dit, alors, n'importe quel Congolais libre peut le prendre. Et la vraie devant l'autorité compétente. Voilà, alors dans ces cas-là, il faut prendre Gédéon Kyungu et Nemanda Nsengi et retourner en prison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas garder la politique de deux poids, deux mesures. Basile réagit et les magistrats eux-mêmes. On passe la même chose pour Gédéon Kyungu. Et les magistrats eux-mêmes qui sont concernés en premier lieu ne disent rien. Les parquets. D'accord. Mais ce que je dis. La cassation. Pourquoi la cassation qui est concernée par cette question ne dit rien et laisse la question au niveau politique être traitée par. Non, ce n'est pas la cassation qui est concernée. Disons. Non, mais en tant que député, il était justiciable devant la Cour de cassation. Mais ce que je dis, c'est la Cour de cassation est une juridiction. Je les parle ici du parquet près la cassation. La Cour de cassation. Ok, je dis comme ça, je parle. Pourquoi les parquets près la cassation restent dans un mythe? Je parle. Ne dis rien. Je parle dans la globalité de la question. Je ne veux pas prendre la question de manche. Je dis les parquets dans sa globalité, les parquets devaient s'exprimer. Si les parquets étaient un parquet actif et un parquet libre d'esprit, sans gesticulation politique. Le CNSA n'est pas un bureau du parquet. Voilà. On pouvait même aller l'arrêter là-bas. Là, il était chez Olenga Kodj. Parce que je me pose. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je donne mon opinion. Le CNSA, après qu'on ait gagné les élections, le CNSA n'a plus de rôle. Merci beaucoup. Du point de vue de droit. Vous avez maintenant répondu à ma question. Oui, je termine. C'est juste pour savoir pourquoi les parquets prennent la cassation. Le parquet a le pouvoir de le prendre même sans prévenir. Mais on n'a même pas besoin. Le parquet doit aussi aller prendre Gédéon Kyungu. Maintenant, la question de Kyungu. Vous connaissez Gédéon Kyungu, vous connaissez mon opinion. La manière dont Kyungu a été ramené en ville, au nom de la décrispation, au nom d'une certaine décrispation politique provinciale, et Nemanda Nsengi revient au nom de la décrispation. Je pense à la justice congolaise, je pense toujours comme à la titre d'Amemamba, c'est une justice de 3V, veste, villa et voiture. Merci. Parce que s'il y avait une justice sérieuse, on ne pouvait pas comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Gédéon n'a pas été jugé. On ne peut pas faire la description. Il a été jugé et condamné. On ne peut pas faire la description. Non, maître Laurent, il a été déjà jugé et condamné. Parce que vous appelez ça jurisprudence. Oui. Si vous référez au cas de Gédéon, on ne peut parler de jurisprudence en jurisprudence et en s'écartant de la loi. Gédéon, jusqu'à peuple de compter pour des esprits libres, savent que Gédéon a été libéré par des arrangements politiques et on imagine que Gédéon a été en brousse du fait de ceux qui l'ont fait amener en ville. Mon opinion sur Mounemonatimi, vous la connaissez. Mais pas que vous parlez de justice qui blanchit. Moi, j'aurais encore voulu être du cas de Moïse Katumbi, qui, avec une panoplie de procès politiques, Katumbi a entendu que chaque dossier tombe comme des feuilles mortes. Chacun après un autre, la Cour de cassation
Amikao, j'ai entendu encore des avocats dire non, non, la Cour de cassation n'a pas cassé la décision de ceci, mais a seulement anéanti la décision du premier juge. Mais qui n'ont pas lu l'arrêt. Merci beaucoup. C'est une honte. Laurent, mais l'émission prend face. Si c'est ce qu'Abongo. Non, non, je termine. La parole. Non, non, regarde la concession des pompages. S'il vous plaît, je vous retire la parole. On va prendre les derniers thèmes de l'émission. Gardez cette concession des pompages. On en parlera très prochainement. On va parler de la remise et reprise à la ville de Kinshasa. C'est Gentil Ngobila. Mais je pense qu'en point d'orgue, on devrait plutôt revenir hein, sur la mise en accusation du ministre Guy Matondo par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bon, moi j'ai mis ça, merci beaucoup, j'ai mis ça dans le paquet de 100 jours de Félix Tshisekedi. Parce que si on avait continué avec Kimbuta, avec Kabila, Guy Matondo, le tout feu. Moi j'ai parlé avec certains ministres provinciaux. Guy Matondo, c'était le gouverneur. Je te dis qu'il y pesait plus que Kimbuta, parce qu'il y payait ses collègues ministres quand il voulait. Maintenant, c'est dans les 100 jours. Je commence par les 100 jours pour descendre ce Guy Matondo. Guy Matondo, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, parce que c'est la justice qui fait son travail. Félix Tshisekedi, après 100 jours, un peu comme à la suite de Moïse Katumbi, je pense que la volonté politique y est. Félix Tshisekedi a montré que, malgré les limites qu'il éprouve aujourd'hui, malgré fait, je n'ai pas de gouvernement, de la mauvaise pratique qui s'est installée par l'FCC à vouloir céder la présidence et tromper l'opinion en restant majoritaire au Parlement, Félix donne la ligne de quelqu'un qui a la volonté. Et vous voyez que Vital Kamerhe est au moulin pour accompagner Félix justement dans l'exécution de ces 100 jours. C'est comme ça que j'ai parlé aussi de la justice, parce que si vous allez à Pompage, il y a une concession querellée. Avant d'arriver sur les pompages à droite, Laurent, les Libanais ont construit. Est-ce qu'on peut rester d'abord sur les 100 jours? Mais je te dis qu'on fait des sautes moutons à pompage. Oui, oui. C'est dans les 100 jours. Il y a une concession qui était de l'espace vert. Derrière la concession, on a construit les postes de police. Aujourd'hui, on ne sait pas faire les sautes moutons à pompage. On veut dévier maintenant. Parce qu'on veut dévier. C'est la concession qui aujourd'hui, ça loge des entrepôts de la communauté indo-pakistanaise. Et en son temps, c'était André Kimbuta qui a organisé la vente. Nous disons à Félix, on ne va pas bien faire les sortes moutons à pompage. Mais pour les intérêts publics, il n'y a pas moyen de détruire carrément cette concession. Je te dis qu'il y a quelques 4 et 5 magasins qui posent des problèmes. Ok ? Et donc, dans les 100 jours, nous demandons, la population de pompage a demandé qu'on puisse démolir cette parcelle-là. Je vais vous amener le numéro cadastral. Et dans les 100 jours, on a constaté qu'il y a une volonté politique. Mais les entreprises qui prennent le marché ne font pas le travail comme il se doit. Va sur l'avenue Sayo. Moi, j'ai vu des gens en train de balayer. On vous demande de réflexionner la route. La moindre chose, c'est de débroussailler. Vous jetez le moellon et la caillasse. Créer et vous venez déposer, créer le caniveau. Comment vous pouvez faire une avenue comme l'avenue Sayo sans caniveau et vous balayez et vous venez y jeter une couche comme ça de 10 cm. Ça ne va pas faire 6 mois à la preuve, parce que déjà aujourd'hui, il y a des trous. Alors, vous pensez que l'OVD et l'Office des routes qui n'ont pas été efficaces sous Kabila seront cette fois-ci avec Félix, ou bien il faut un bureau de contrôle? Et qui gère cette cellule des 100 jours? L'OVD a toujours été efficace. Regarde comment ça fonctionne. On donne 100 000 dollars à l'OVD et la nuit, l'OVD rétrocède 40 000 dollars. Alors, qui paie le plus, qui paie le moins? L'OVD, comme les Chinois. On nous dit ici que les Chinois ne font pas du durable, c'est faux. Quand vous allez en Chine, vous voyez les routes qui sont en Chine, vous les avez vues réfectionner? En Angola, dans des pays sérieux. Regarde ici, l'OVD a pris l'avenue Koutou à Mimosa. Mais pour faire 100 mètres, l'avenue Koutou a fait plus de 60 jours. L'argent vient au comptant, on donne 1 million de dollars et les gens commencent à donner. D'abord amener chez les cambistes et amener les intérêts. Guy Matondo a été arrêté, ma conclusion. On lui reproche de donner l'argent. Il n'est pas encore arrêté. Non, il a été appréhendé. Oh, il est sous résidence surveillée. C'est il ne peut pas quitter la ville de Kinshasa. On dit en droit, il est sous examen. Comment ils peuvent prendre 18 millions dans des banques à 2 mois de la fin de leur mandat? Mais 18 millions de dollars. Déjà, quand la loi dit, ils étaient en ce moment-là en train d'expédier les affaires courantes. Et sans passer par l'Assemblée provinciale. Ils ne pouvaient pas prendre de décision. Donc, aucune autorisation. Qui engage l'entreprise dans le futur. Et je salue alors Godin Pouy. Moi, je le pensais pasteur. Bon, avant, on s'appelait. Maintenant, comme il est devenu autorité dans la coutume de chez nous, les autorités ne parlent plus aux amis. On c'est ne peut plus se parler. C'est un grand professeur. Élevons les débats. C'est pas ça le plus important. Que vous vous appelez ou pas. C'est une parenthèse amicale. Godin Pouy nous a prouvé. Pas la poursuite de Roger Tsingy, aujourd'hui de Guy Matondo, c'est un homme d'État.
On doit poursuivre ces gens-là. L'affaire est devant la justice. Nous ne pouvons pas commenter, mais nous voulons voir clair. Merci cette beaucoup. Maison-là, il faut une expertise même pour la construction du palais. De l'hôtel de ville, on doit faire une expertise. Est-ce que Guy Matondo, qui a fait quoi? Guy Matondo n'est pas juste une victime expiatoire et que le vrai se cache derrière quelque chose. Non, il faut. Sans premier jour, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps d'analyser tout cela et peut-être une émission bien élaborée des 40 minutes. On ne va parler que de ces 100 premiers jours dans les volets infrastructures et tout comme vous voulez. Bon. Mais aussi, on a décrié les dépassements budgétaires de l'ordre de plus de 120%. Je ne saurais pas répondre en une minute à toutes ces questions. Pour parler des 100 jours, je vous dis que il faut féliciter les présidents de la République. Sa volonté. Il a une volonté politique qui est exprimée. C'est 75% des succès. Il a pris une décision politique. Vous l'avez évalué? Bien sûr, j'ai tous les éléments. Il a pris une décision politique parce que les gros des dépenses qui sont effectuées dans le cadre des 100 jours, ce sont des dépenses extra-budgétaires. Il ferait mieux de mettre sur pied rapidement un gouvernement pour qu'il y ait un collectif. Est-ce que c'est budgétaire. Ça la bonne gestion? Non. S'il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il faut régulariser. Il faut maintenant un collectif budgétaire pour intégrer toutes les dépenses qui ont été effectuées au cours de ces 100 premiers jours et faire en sorte que lorsque les experts du Fonds monétaire international arrivent ici les 22, trouvent qu'on n'a pas fait de la mégestion. Pourquoi? Parce que s'ils constatent que nous gérons très mal nos finances, nous n'allons plus bénéficier des appuis budgétaires. Attendez, or, les appuis budgétaires, s'il vous plaît. Ça représente des centaines de millions de dollars qui peuvent nous aider dans notre budget. Je vais parler techniquement comme vous. Donc ce que Félix a fait, techniquement, c'est de la mégestion. Ce qu'il a fait, techniquement, c'est de la mégestion. Voilà. Et politiquement, ça s'explique. Mais il a fait pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt du pays. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur le plan politique, il peut décider. Il a ce pouvoir-là. Comme il n'y avait pas, parce que pour faire les collectifs budgétaires, il faut que l'autorité budgétaire soit là. Ce n'est pas avec le président des bureaux provisoires qu'on pouvait amener le projet du budget de la rectification. Non, il fallait attendre qu'il y ait le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sur ce point-là, il a raison. Donc, il a agi politiquement, mais avec. En termes de la gouvernance, en termes de gouvernance, il y a un couac qu'il peut corriger et qu'il doit corriger en mettant sur pied ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Merci. Pour la ville de Kinshasa, moi je pense qu'il faut laisser la justice. Des faire. Taxes. Oui, il y a 150 comptes parallèles. Il y a trop de problèmes. Moi je pense que la justice va nous éclairer. Et si vous voulez qu'on parle de la ville de Kinshasa, il faudra consacrer toute une émission parce la redistribution aussi sociale. Mais pas seulement la redistribution, il y a le problème de la gestion du budget de la ville de Kinshasa. Et de l'affectation, les prêts, tout ça, il faut en parler parce que je suis convaincu que si on ouvre la boîte à Pandore avec la gestion de Kimbuta, il y aura beaucoup de gens qui vont aller. Est-ce qu'il y a moyen, Jérôme Sekana, de nous donner votre quitus, qu'on en revienne demain, pour après-demain, c'est-à-dire demain, ce n'est pas demain, justement. Dans peut-être après-demain, mais on pourra répondre. Dans une semaine, pour parler un peu de ce que vous avez dit, comment les budgets de l'État est pris en charge à 70% par les institutions. 75% dans l'exécution des projets. Et au moment où nous parlons, parce que vous avez senti un ralentissement, parce qu'il y a un audit. Pour répondre à ce que disait Onyemba, parce que l'argent est sorti en masse, et puis on a constaté que bon, les mauvaises habitudes sont revenues un peu. Alors, avant de décaisser un autre lot, une autre enveloppe, il fallait d'abord voir clair. Donc, les sociétés de contrôle sont en train de faire rapport, et lorsque la situation sera présentée auprès du chef de l'État, en ce moment-là, et surtout que la DGI vient de faire 120%. Des recettes pour le mois d'avril. Donc, ils ont crevé les assignations budgétaires. Merci beaucoup, cher Jérôme Sekana. Merci à la réalisation. Non. Dans les entreprises. Laurent Onyemba, l'émission est terminée. On en parlera dans le couloir. J'ai lu les textes sur les téléspectateurs. Bonjour Serge, bonjour à Jérôme et à Laurent. Quand le gouverneur des provinces et les présidents des assemblées provinciales viennent à Kinshasa, circonvocation de Kabila, ils sont à charge de qui? Ça, c'est la question, mais j'espère qu'ils se déplacent vers leurs propres moyens. Hein. Qui a signé leur ordre d'émission et ils portent quel objet? Kabila a-t-il le pouvoir de le faire? Non, il n'a pas invité le gouverneur quand ils étaient investis. Donc Kabila, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a invité les membres de sa famille politique. Ils étaient venus à l'époque, ils n'étaient même pas investis. À peine ils viennent d'être investis, donc c'est maintenant qu'ils deviennent le gouverneur.
par l'ordonnance du président de la République, Félix Tshisekedi, même si presque tous sont du FCC. Bon, ils sont dans un mariage, on ne sait pas sur quel régime matrimonial. Communauté des biens, séparation des biens, réduit aux acquis. Bonjour Kioske, à la présidence, déjà plus de 2 mois d'impayement des primes. Les paiements des primes est sélectif, seulement les nouveaux venus qui sont au palais de la nation et non à l'OIA. C'est ça la justice sociale. C'est ça, non? L'union pour la démocratie et le progrès social. C'est ça le progrès social. Bonjour Kioske. Recite, il y a 100 jours seulement pour les routes. Bozo lobaté pour la vie sociale, naba salaire, yabato. Mais j'aurais appris qu'il y a eu réajustement des salaires. Hein? 20 000 ou 40 000 pour les uns et 20 000 pour les autres. Mais on peut faire plus. Procès Jean-Pierre Bemba, Izalaki na Guadolite, président Yakou Martial, général Alongaboni. Ah bonjour mon général. Puis Gérard qui nous écrit. Puis Gérard, je n'ai pas aimé votre scénario avec Mike Mukeba et comment il s'appelle Joël Kadé. Bonjour Kioske, vous parlez des prisonniers. Ici au secrétariat général aux médias, nous avons un débordement. Le CGAI a introduit l'effectif dans les listings de paye non reconnus à la fonction publique. Que Laurent Onyemba et Jérôme Sekana nous répondent. Ils vont répondre à cette question-là très prochainement. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs de la radio, parce que l'émission est d'abord destinée aux auditeurs et la télé prend en relais pour les téléspectateurs. Merci aux invités. C'est vrai que c'était difficile, hein. On a évolué difficilement. Merci à Jérôme et merci à Laurent. 9h30, on sera là demain.